Hey, what's up? Ça que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, vidéo, vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce format-là. Le format où je suis à ma caméra et j'ai des conneries. Là, on va se faire un entraînement au golf où je t'ai dit, là. Tu vois, dans ma ville, il y a un golf et autour du golf, il y a un parcours d'entraînement, tu vois. Donc, on va aller là, si tout se passe bien. Là, c'est le matin, je suis KO. On va se faire un petit déj. On va se faire un bon petit déj. On va manger, c'est important. Le problème avec les vlogs, c'est que je m'organise pour faire des trucs et il y a déjà un problème. Parce que tu sais, hier, je me suis dit, dans le vlog, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais dire ci, ça et tout. Je voulais faire des pancakes et les manger avec du sirop d'érable, d'accord? Parce que je viens de manger du sirop d'érable. Mais le problème, c'est que j'ai la flemme de faire des pancakes. Je cache pas, je suis fatigué. J'ai pas envie de faire ça. Mais je voulais grailler mon sirop d'érable. Et ça, c'est pas n'importe quel sirop d'érable. Tu vois, dessus, il y a un Canadien dessus. Comment je sais que c'est un Canadien? Il a une veste à carreaux et une barbe. Les Canadiens sont comme ça. Voilà. Et en fait, si tu veux, l'histoire, c'est que je suis parti à Carrefour. Il y avait deux sirops d'érable. Il y avait celui-là et un autre avec un emballage Carrefour. Et bien évidemment, moi, tu vois, je suis un client facile. Si le packaging n'a pas un Canadien dessus, j'achète pas le sirop d'érable. Moi, je veux un vrai truc. Mais j'ai envie d'en manger. Donc je pense qu'on va se faire un truc improbable, un truc qui n'existe pas, du jamais vu. On va manger du pain de mie complet, grillé avec du sirop d'érable. Ouais, je sais, normalement ça se mangeait du Nutella, mais je veux du sirop aujourd'hui. Bien évidemment, avec ça, on va prendre du café en dosette. Tu vois, mais quand j'ai en dosette, c'est pas les distrib... Non, attends, je te montre. C'est... Putain, j'ai pas envie de te montrer, j'ai pas envie qu'on se moque de moi. C'est ce café-là, tu vois. Le café qu'on donne dans les avions, tu vois, le café qui a pas de goût, le pétrole. On va prendre ça avec, j'allais dire nos pancakes, avec nos tranches de pain de mie au sirop d'érable, parce que là, j'ai besoin de me réveiller, c'est important. Non, les mecs, faut que je raconte ce qui s'est passé. En fait, c'est simple. Là, regarde, il est 1 h du matin. C'est incroyable. Ce matin, je faisais le malin à dire, ouais, on va faire un vlog et tout, ça sera bien. J'ai parlé de sirop d'érable, mais je vais pas te mentir, quand j'ai coupé la caméra, j'ai réfléchi à ma connerie, je me suis dit, sirop d'érable avec du pain, impossible. Et je suis parti chercher de Nutella et je me suis enfilé. Ouais, j'ai fait les choses bien. C'est important. En fait, faut faire les choses bien, faut respecter le sirop d'érable. Donc j'ai pris avec du Nutella, j'ai pris mon café, toujours, mais avec du Nutella. Juste après ça, je suis parti au parc directement. Tu vois, j'ai pas digéré. Je me suis dit, bon, dans la marche, je digérais comme je vais en marchant. C'est à côté, ça a 10-15 minutes. Je vais marcher, je digérais. Dès que j'arrive là-bas, directement, je me mets en condition. D'ailleurs, il faisait super froid. Incroyable. On a eu un jour à 22 degrés, un jour à 26 degrés. Et le jour où je suis allé, 15 degrés. Incroyable. J'avais froid, j'étais en pull. Et j'avais un manteau, non, j'avais un manteau plus un pull. Je me suis fait, mais c'est incroyable ça. Hier, j'étais en t-shirt, là, je suis en manteau, j'ai froid, comment on va faire? Dès que je suis arrivé directement, je me suis mis en condition, corde à sauter dans le froid. J'ai mis ma petite capuche, mon haut fitness park, avec mon gros staff derrière. Et j'ai fait de la corde pendant peut-être 10-15 minutes. Ou à peu près, pas plus, parce que je vais pas te mentir, hein, je suis pas habitué à faire tout ça, à faire ces bêtises-là, je suis pas habitué. Ça veut dire qu'au bout de 2 minutes de corde, je commence déjà à être essoufflé, je commence déjà à me dire, c'est chaud, faut peut-être rentrer à la maison, boire de l'eau. Tu vois, c'est un truc de ouf, c'est réel. Là, on n'est pas dans les entraînements de boxeur où ça commence avec 1 heure de corde, tu vois, à partir de la fin d'une musique de playlist, là, on commence à se dire, il serait temps de commencer l'entraînement, tu vois. Juste après ça, tu vois, dans les parcs, il y a des petites barres qui sont à hauteur des genoux pour faire des pompes, tu vois. J'ai fait des pompes avec ça. Mais le problème, c'est que dans ce parc de merde, clairement, les barres, elles bougeaient un peu, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je me suis fait, ah là là, l'entraînement, il va être dur. Ça va être n'importe quoi. Parce que moi, j'aime bien les trucs fixes, tu vois. Là, ces trucs qui bougeaient, c'est peut-être l'usure avec le temps. Ou c'est peut-être fait de manière à que ça bouge. Mais c'était chiant. Mais j'ai fait des pompes comme ça pour bien me chauffer. Et j'ai essayé de bien contracter les pecs en montant directement. Faut que je te montre cet exercice en salle parce que quand je le fais, c'est incroyable la condition que j'ai. J'ai profité aussi pour retirer mon haut parce que je commençais à avoir chaud, je commençais à être bien. Juste après ça, j'ai refait un peu de corde parce que je te cache pas, je commençais à avoir froid. En fait, il y avait du vent frais. Et dès que ce vent il tapait, c'était incroyable. Je me suis fait non, mais pourquoi il y a du vent comme ça? Comme je t'ai dit, les jours
D'avant, il faisait chaud de fou. C'est-à-dire que tu sortais en t-shirt, t'avais chaud en t-shirt. Mais là, c'était incroyable. Donc, j'ai refait un peu de corde histoire de bien me chauffer pour passer aux tractions. Et bien évidemment, j'ai enchaîné les tractions. Bon, mon but était de faire des petites séries entre 8 et 10 répétitions, histoire de pas trop me cramer et de bien m'échauffer parce que je voulais faire des muscle-up. Bah ouais, si tu me connais, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je kiffe les muscle-up. Je kiffe ça, d'accord? Et je suis fort à ça de base. Donc là, clairement, j'ai essayé la première muscle-up. J'ai dû en faire 3 ou 4. J'avais mal, je me suis fait non. Là, c'est trop là. Je me suis dit, non, la Dams, là, t'es devenu nul, Dams. C'est pas normal, Dams. Ouais, je te cache pas, j'ai parlé avec moi-même, je me suis fait, non, c'est pas normal. Avant, j'en faisais même fatigué, même en reprise. Là, c'est pas normal que j'en fasse 3 ou 4, tu vois. Je me suis posé, j'ai choisi une bonne musique US de Meek Mill, tranquillement, et je me suis fait, là, tu vas en faire. Tu vas faire tes muscle-ups. Déjà, ta première, tu vas la passer. Parce que la première, je l'avais foirée précédemment. Je me suis fait, là, tu vas les passer avec ta rage. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pu en faire 7, il me semble. Et après, j'ai fait des dips au-dessus. Parce que je me suis fait, non, c'est bon. En fait, là, j'étais trop énervé. Je me suis fait, c'est pas normal que j'arrive plus à faire des muscle-ups. Moi, c'est pas normal. Et l'entraînement s'est achevé là. Parce que je te cache pas, j'avais un mal de tête après. Incroyable. J'avais un mal de tête, je ressentais beaucoup de fatigue parce que tu vois, moi je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup et malheureusement, c'est pas bon pour le sport, mais j'avais pas beaucoup dormi la veille, mais je me suis dit demain matin, je vais ici. Et quand je me dis un truc, j'y vais. Tu vois, fatigué ou pas, que j'ai dormi ou pas, j'y vais. Je suis allé, j'ai fait ma séance, mais voilà, je suis rentré, je me suis endormi direct. En fait, je me suis endormi. Je t'explique, attends, je t'explique tout dans le contexte. Je suis arrivé là-bas à 8h. Je suis arrivé là-bas à 8h. J'ai fait 1h30. Je suis rentré, je me suis endormi. Direct. Je me suis levé à 15h. J'ai mangé un truc, je me suis endormi. C'est incroyable. Je me suis endormi, je me suis levé à 23h40. Je me suis fait, mais en fait, cette journée, elle est folle. C'est pour ça que là, il est 1h passée. Ouais, il est 1h passée, je suis en forme. Je suis grave en forme. Et eh, laisse tomber, je me suis réveillé, j'avais des clients à appeler parce que voilà, demain j'ai un tournage, après-demain j'ai un tournage en vidéo et j'avais des clients à appeler pour confirmer la date et tout, mais laisse tomber. En fait, moi qui voulais faire un vlog, là, mon plan il a échoué là, clairement. Mais même si c'était court, je te cache pas, je veux trop faire ça en salle de sport parce que là en fait, je t'explique. En France, sur Paris, on a eu 3 jours à plus de 20 degrés. D'accord? 3 jours où tu peux sortir en t-shirt. Là, il fait 15 degrés. Demain, il pleut. Après-demain, il pleut. Après-demain, il y a la neige. Après, il y a la grêle. Voilà. Tu vois? Je sais pas ce qui se passe. Donc, on va aller en salle. Et on va reprendre des entraînements au poids de corps. Reprendre les muscle-up. J'ai envie d'apprendre les muscle-up. Et j'ai envie de reprendre aussi le front lever. Bon, je l'avais lâchement abandonné le front lever. Simplement parce que c'est un mouvement très difficile. C'est un mouvement très difficile et je me suis fait, c'est bon, dames. C'est bon, laisse ce mouvement-là et fais autre chose. Et je voulais faire des programmes de sport parce que voilà, on m'a dit de faire des programmes. Les programmes, ça a marché, ça a ramené des abonnés sur la chaîne. Je sais que mes entraînements front lever, c'était bien, mais c'était chiant, tu vois. Honnêtement, c'était chiant. Mais je vais en refaire, je vais retravailler ça, histoire de l'avoir, parce qu'il faut que je débloque ce putain de mouvement, c'est important. Bon, voilà pour cette petite vidéo vlog. J'espère que t'as kiffé quand même, même si c'était très court. Dans les autres formats, je vais faire ça beaucoup mieux, je vais mieux travailler ça. C'est juste que ça faisait très longtemps que j'ai pas fait des vlogs, sachant que j'ai pas respecté ce que j'ai dit. Ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de pancake, ça. C'est pour ça. Sinon, j'aurais respecté. Et prochaine fois, je fais des pancakes au sirop d'érable. Je fais une présentation sûre. Je te fais un film. D'accord? Je te fais une belle présentation. Obligé. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. À me suivre aussi sur mon Instagram, qui va changer d'ailleurs, parce qu'il y aura plein de changements et de choses qui vont venir sur mon Insta, qui vont te plaire. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.